Et cette journée-là, qui est une journée sociale, ça regroupe trois activités dedans. Ça dit qu'il y a une journée de consultation ophtalmologique, prise de dons de lunettes. Parce qu'on a remarqué à l'université, les étudiants utilisent beaucoup les smartphones, les iPhones, les tablettes, tout ça avec les photons là. Donc parfois, ça crée vraiment des anomalies oculaires. En même temps, les étudiants utilisent les machines ordinateurs. Donc c'est la raison pour laquelle on a pensé faire une consultation ophtalmologique pour aider les étudiants vraiment sur ce qu'on appelle la santé oculaire. C'est très important, cette santé-là. Et en même temps, on a organisé une journée de dons de sang parce que vous savez qu'on est presque dans le mois de Ramadan et le mois de Ramadan, c'est extrêmement interdit de donner du sang pendant le mois de Ramadan. Et pendant le mois de Ramadan, on pourra obtenir des cas en urgence, des accouchements, tout ça, ou bien les gens qui sont vraiment subi une victime d'accidentés, les cas disant avec une hémorragie, tout ça, on doit faire une transfusion. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a organisé un don de sang pour assister la population. En même temps aussi, une journée de consultation dentaire. Parce que la santé dentaire aussi, c'est importante, comme la santé ophtalmologique. C'est ça qui me rend encore plus heureux. C'est le caractère utile et utilitaire de la chose. Parce que vous comprenez bien qu'on vit dans des zones qui sont un peu reculées. Les gens ont besoin de soutien et ont besoin d'aide. Les étudiants pouvaient se contenter de rester dans leur salle de classe, faire cours et rentrer. Mais ils ont compris leur mission, ils ont compris que le pays avait besoin d'une certaine forme de jeunesse, d'une certaine forme de compréhension de la chose, raison pour laquelle ils ont pris l'initiative de faire des dons de sang, de faire des dons de brosses à dents, de pâtes dentifrices, etc. Donc je pense que c'est vraiment important pour que la jeunesse sénégalaise soit consciente de la chose.